Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de nouveau ensemble pour un secret de pige. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Chabot. Christelle Chabot, c'est une personne que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir la découvrir grâce à Secret de Pige. Et c'est ça la magie d'Internet. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez découvrir une personne qui est complètement différente de toutes les personnes qu'on a pu découvrir jusqu'à présent. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, on a une personnalité différente. À chaque fois, on a des gens qui nous apportent de nouvelles choses, de nouvelles façons, de nouvelles stratégies de travailler l'immobilier. Et en fait, Christelle, c'est une personne qui a fait 30 ans de marchand de biens. Elle est passionnée par tout ce qui est là, tout ce qui parle de décoration. Elle est passionnée par son métier aujourd'hui, qui est effectivement le métier de conseiller immobilier. Et je voulais vraiment vous la présenter aujourd'hui. Donc, je vous dis à tout de suite après le générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. Cause I run it, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really got it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. Bonjour Christelle. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, tranquille. Oh. Le son est parfait, l'image est parfaite, c'est génial, on va pouvoir faire un beau secret de pige. Bien. Écoute, moi j'avais vraiment envie de t'avoir en interview aujourd'hui parce que on a discuté un petit peu ensemble par téléphone par message, par téléphone, enfin avec tous les moyens d'aujourd'hui qu'on a à notre disposition. Et c'est vrai que par rapport à tout ce que tu m'as dit, en fait, donc une ancienne marchande de biens, quelqu'un qui a donc une investisseuse, on peut dire ça, hein. Tu as investi dans l'immobilier, tu as essayé de chercher finalement ce qu'on appelle souvent le cash flow, tu as travaillé pour ta retraite. Quelque C'est chose ça, qui est ouais. juste dingue, c'est qu'en fait, il y a 30 ans, c'est ça? Il y a une vingtaine d'années, effectivement. Donc, Combien de temps? ma réflexion, c'était il y a une trentaine d'années. Donc, ma Il y a une réflexion, trentaine c'était, d'années. ouais, Il y a une quand trentaine d'années, j'ai. tu as eu cette réflexion de dire qu'il faut que je travaille pour ma retraite, alors qu'il y a 30 ans, on n'en parlait pas du tout, mais Non. vraiment pas. Donc, tu étais Alors, vraiment précurseur. effectivement, quand j'ai eu ma première fiche de paye, ma vraie fiche de paye, parce que je faisais des petits boulots un peu à droite à gauche, mais en tant que CDI, Ouais. ma première fiche de paye qui était à l'époque de 950 francs, j'ai dit, waouh, il va falloir que je me crée ma propre retraite au cas où le système de retraite vient à s'effondrer ou quoi que ce soit. J'ai dit, il va falloir quand même que je crée mon propre patrimoine. Donc, je suis partie de zéro. J'ai dit, ben, la réflexion, c'était investir. Investir dans quoi? Quelque chose qui soit durable. Ben, investir dans la pierre, bien sûr. Et du coup, c'était ben, constituer mon patrimoine immobilier en mettant chaque centime un petit peu de côté et de pouvoir être propriétaire du toit qu'il y a au-dessus de sa tête. Et petit à petit, donc, acheter des choses qui sont à rénover. Parce que compte tenu du prix aussi, j'avais pas beaucoup de sous. Donc, des choses à rénover, les retaper et les revendre 4-5 ans plus tard. Et j'ai fait ça tout au long de ma vie un petit peu pour aujourd'hui avoir un patrimoine de ma propre maison, mais également des appartements loués qui me donnent cette fameuse retraite aujourd'hui et cette sécurité financière que je peux avoir. Alors, ça ne s'est pas constitué du jour au lendemain. On peut le faire, quel que soit son âge, mais disons que c'était une réflexion que j'ai eue il y a un certain temps, oui. C'est ce qu'on appelle la liberté financière. C'est ça, l'autonomie financière, être autonome et ne pas être dépendante ben, d'un problème de santé, d'un problème X ou Y, et d'avoir des loyers qui puissent arriver sur mon compte et de pouvoir justement aujourd'hui profiter du choix d'un métier qui me tient à cœur sans avoir de pression financière à côté. D'accord. Donc ça veut dire que c'est une ouverture d'esprit énorme que tu peux avoir et que tu avais déjà et que du coup tu t'es mise en action et il y en a qui l'ont rêvé et jamais fait et toi tu l'as rêvé et tu l'as fait. Donc bravo pour ça parce que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient le faire mais qui ne malheureusement ne le feront jamais. Mais ça veut dire aussi que derrière tout ça, aujourd'hui quand tu parles à des gens, des personnes, des acquéreurs potentiel, des gens que tu
que tu rencontres tous les jours, ça veut dire que tu peux leur apporter énormément de par ton expérience, en fait. Alors, j'ai toujours ce regard du… On achète quelque chose parce qu'on a un besoin. La famille s'agrandit, on déménage, on change de secteur géographique. Mais j'ai toujours cette optique de, au cas où vous aviez besoin de revendre cette maison en y apportant deux, trois petites choses, deux, trois rénovations qui sont mon dada, en fait, j'adore ça. Et l'œil un petit peu nouveau qu'il peut y avoir, et leur dire, si un jour vous avez à revendre, elle aura telle et telle plus-value. J'ai toujours cette optique que… Alors, la première maison que l'on achète, on a beaucoup de mal à s'en séparer parce qu'on y met tout son cœur, les matériaux, etc. Mmh. Et quand on a revendu et acheté plusieurs maisons, du coup, il y a toujours cette optique de placement et d'investissement réellement, parce qu'on investit dans la pierre, mais on investit aussi par rapport à la qualité de la maison et des matériaux que l'on met à l'intérieur. Ouais, donc, clair. Effectivement, c'est un plus pour les acheteurs, mais également pour les vendeurs, en leur disant, ben voilà, avec deux, trois petites choses comme ça à faire, avec un œil un petit peu de homestaging un petit peu plus élaboré que de la simple décoration, mais vraiment sur embellir et donner de la valeur à son bien dans le temps. Oui. Et il y a cette approche que je donne à mes clients qui est avec effectivement tous les artisans que je peux avoir, le panel de partenaires que j'ai à côté de moi, que ce soit des maçons, plombiers, chauffagistes, maçons, enfin tout ce qui est menuiserie, enfin du sol au plafond. Électricien, couvreur, tout un panel de personnes, multi-activités, ouais. Donc de leur apporter ce regard et de chiffrer réellement ce qu'il y a à faire et du bénéfice qu'ils pourront en avoir. Voilà. D'accord. Donc c'est pour moi c'est vraiment une véritable, enfin une ressource qui est très très intéressante et pas primordial parce que tout le monde ne l'a pas et ça n'empêche pas les gens de travailler. Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on arrive dans un appartement ou une maison où il y a tout à refaire, alors souvent les maisons c'est encore plus compliqué que les apparts. On est finalement, on n'a pas nous ces outils qui nous permettent en fait de pouvoir dire à la personne, ça va vous coûter ça parce que c'est mon métier, parce que je le connais, parce que j'ai rénové 10-15 appartements ou 10-15 maisons. Et du coup, aujourd'hui, je sais exactement combien ça va vous coûter pour pouvoir rénover cette maison. Et ça, c'est une ressource qui est juste impressionnante que tu peux avoir toi aujourd'hui. Tu pourrais créer une petite chaîne YouTube et partager toutes tes connaissances à tes confrères. Parce que moi, je serais le premier abonné parce que franchement, on en a tous besoin, vraiment. Alors, l'histoire, bon, depuis une trentaine d'années, je fais ça. Et puis, surtout en 2016, quand j'ai acheté la maison où je suis, où il y a, c'est une grande bâtisse, et il y a deux appartements que j'ai rénovés, donc qui sont loués aujourd'hui. Donc, j'ai partagé justement cette aventure sur Facebook. C'est comme ça que j'ai commencé Facebook, en fait, sur les lives, sur des vidéos et sur des petits tutos, sur une page Facebook qui s'appelle « Maman rénove la maison ». Et sur tout ce que j'avais à faire, voilà comment c'était dans tel état avant, voilà ce que je suis en train de faire, voilà l'état après. Et ça, je m'en sers sur les avant-après, à les présenter aujourd'hui à mes clients dans l'immobilier, leur dire voilà ce qui est possible de faire selon mon idée, mais si vous voulez, voilà, on fait intervenir tel et tel corps de métier parce qu'il est très difficile pour des acquéreurs. Il y a très peu de personnes qui savent, comme je le dis régulièrement, planter un clou. Il y a des personnes qui veulent quelque chose clé en main ou qui ne se rendent pas compte ou qui ont une idée très énorme des travaux que ça va occasionner et du prix que ça va occasionner. Comme une personne qui rentre dans une maison et qui me dit « Ah, il y en a au moins pour 100 000 euros ». Je dis « Waouh, on va recadrer, vous voulez faire quoi ?» Juste de la peinture, voilà, coût du mètre carré, ça fait tant. Du placo, ça fait tant. Du carrelage, ça fait tant. Voilà, et re-cibler un petit peu pour redescendre un petit peu sur terre et d'avoir un chiffrage un petit peu plus précis tout de suite. Et de dédramatiser par rapport à… Ben là, il y a une cloison à tomber parce que vous voulez plus d'espace entre la cuisine et le salon. Faire une grande pièce de vie, abattre une cloison, c'est pas ça qui coûte le plus cher et ça va vous coûter tant. Voilà. Vraiment, et de leur dire tout de suite au moment de la visite et ne pas perdre du temps à dire je vais faire venir quelqu'un. Après, on peut affiner en faisant intervenir un artisan, mais tout de suite dédramatiser et leur dire il y a ça et ça et ça à faire.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que souvent, les vendeurs, eux, ils minimisent les coûts et les acheteurs, ils surestiment les coûts. Donc, ça m'a toujours fait rire parce que suivant si on est acheteur ou vendeur, les coûts, en fait, n'ont pas la même valeur. Et du coup, eh ben, voilà, souvent, ça peut être 100 000 pour un acheteur et ça peut être 25 000 pour un vendeur. Donc, ça a toujours été le cas. Et en tout cas, moi, ça me, voilà, moi, je suis hyper. Comment dire, bah, c'est génial. Je trouve que ton expérience, en fait, aujourd'hui est vraiment hyper utile pour tout ce qui est. Alors, bien sûr, si tu travailles dans des endroits où il n'y a quasiment pas de rénovation à faire, c'est embêtant, mais toi, tu crois que tu es dans la Drôme, c'est ça? Dans la Drôme, oui, Drôme des Collines, vers Romans-Valence, donc il y a encore. Moi, je fais principalement que des maisons. Ouais. S'il y a des appartements à faire, c'est pas trop mon truc, même s'il y a de la rénovation à faire, hein, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais voilà, je suis plus sur des maisons. Alors, même des maisons qui ne sont pas forcément à rénover, mais il peut y avoir une maison qui est super Ouais. nickel, prête à poser les valises, mais il y a un mur qui est vert, voilà, ou violet, ou rose, peu importe. Et l'acheteur, il dit, ah, il bloque complètement là-dessus, ou orange, enfin une couleur flashy, ou quelque chose qui ne lui plaît pas. Je leur dis, et moi, je ne veux pas perdre cet acheteur parce que la maison lui plaît, elle lui correspond. Et il y a juste un équilibre à trouver entre l'acheteur et le vendeur. Je dis, vous voulez quelle couleur? Moi, j'ai un nuancier toujours dans la voiture. Dites-moi quelle couleur vous voulez. Le mur, là, il y en a pour 250, 300 euros. Je le prends moi à ma charge. D'accord. Et je ne vais pas louper une vente pour une couleur ou un coup de peinture, quoi. Ok, donc t'en joues et du coup tu l'utilises même dans tes services Voilà, que en fait, tu oui, c'est proposes ça. pour pouvoir faire tes ventes. C'est surtout, alors, je suis conseillère immobilière, soit, mais mon vécu ou ce que je sais faire et ce que j'aime faire, ça donne des services supplémentaires. Je pense qu'aujourd'hui, il faut accompagner ces vendeurs et accompagner ces acheteurs avec des services. C'est ce qui va faire la différence de moi, Christelle, du réseau e-particulier, par rapport à un autre conseiller ou une agence immobilière. Donc Ah, aujourd'hui, carrément. on se spécialise. Il y a des personnes qui sont spécialisées sur de la photo. Il y en a qui sont spécialisées sur des drones parce qu'ils ont des biens conséquents. Ouais. Il y en a qui sont spécialisées sur des montages virtuels. C'est cette spécialisation et le langage que vous allez utiliser, la communication que vous allez utiliser, qui va faire que c'est vous qu'on va choisir en fait. Ouais. Il faut être différent, faut par sa spécificité, parce qu'on a tous nos spécificités, et c'est C'est vrai ça. que ce qui fera que la personne ira plus vers toi ou vers moi, si demain on était en concurrence, bah, c'est simplement le fait que bah, finalement la personne préfère le tempérament, préfère la personnalité de Christelle plutôt que la personnalité d'Alexandre. Au-delà des services immobiliers, je pense, parce qu'au final, on a tous les mêmes services. Alors, quand je parle photo, vidéo, etc., on a tous à peu près le même panel de services parce qu'on a accès, en fait, finalement, à tous les mêmes sous-traitants. Maintenant, ce qui peut faire vraiment la différence, par contre, c'est effectivement une personne qui arrive chez une personne en disant, bah, tiens, vous avez besoin d'un coup de propre, là, ça va vous coûter 100, là, ça va coûter tant, là, ça va coûter tant. Et du coup, tu es vraiment la professionnelle de la rénovation, de la décoration, du home staging, parce que du coup, tu peux vraiment donner beaucoup de conseils aux vendeurs et aux acheteurs. Mais nous, on est là plus sur la partie vendeur. Et du coup, forcément, à un moment donné, le vendeur, il peut dire, ah ouais, mais effectivement, Christelle, elle a quelque chose que Alex, il n'a pas, par son expérience immobilière, par sa façon de travailler et son expérience, et finalement, ses 30 ans d'expérience qu'elle a pu se faire grâce à son immobilier. Alors, je reviens sur la partie, là, on était plus axé sur les acheteurs, mais je fais également un travail un petit peu différent, mais dans la même optique sur les vendeurs. Vous voulez vendre bien, vite et mieux? Voilà telle et telle petite chose à faire pour qu'il n'y ait pas de porte ouverte sur des critiques et une porte ouverte à des négociations. Ça, tu le dis dès le premier rendez-vous? Dès le premier rendez-vous, je fais le tour D'accord. avec eux comme si j'étais un acheteur et je les prends avec moi comme s'ils étaient également dans le rôle d'un acheteur en disant, votre maison, vous la connaissez bien, mais vous ne la voyez plus. Mais il y a ça, ça, ça et ça. C'est rien.
Je vais peut-être juste un petit coup de peinture, juste une petite porte. Ben, la porte, elle grince. Ah oui, je dois remettre la serrure. Enfin, deux, trois petites choses qui sont des détails, mais sur lesquelles vont se focaliser les visiteurs. D'accord. Tu et fais un peu encore une fois, dans le but de bien vendre, de mieux vendre et de vendre plus vite. Oui. Sur des petits travaux, hein. Je ne parle pas sur des travaux, des gros travaux de structure. Là, après, oui. On va plus sur des photos virtuelles, une visite virtuelle pour leur montrer le potentiel. Mais surtout pour leur montrer l'état actuel de leur maison et d'en déterminer le prix de vente actuel. D'accord. Donc ça, ce sont des gens qui t'appellent en estimation en disant « voilà, bonjour, je voudrais une estimation, donc tu vas chez eux ». Les personnes que tu démarches par le biais du téléphone ou du porte-à-porte, comment ça se passe du coup ? Alors, pige téléphonique, ce n'est pas mon truc. D'accord. Porte-à-porte, prospection basket, j'en fais un petit peu dans mon village, voilà, durant deux, trois périodes. C'est pas ça qui m'amène de la notoriété. Aujourd'hui, je travaille beaucoup plus sur mon image virtuelle par rapport aux pages Facebook, ma page Facebook, ma page Instagram que j'essaye de mettre en place vis-à-vis justement par le home staging, la décoration, etc. J'essaye de parler de choses sociales sur des réseaux sociaux, de ne pas m'imposer en tant que professionnelle de l'immobilier. Les gens apprennent d'abord à me découvrir et ensuite à faire appel à moi vis-à-vis des services en immobilier ou autres que je peux leur proposer. Moi, au départ, quand j'ai commencé dans le réseau il y a un an et demi, officiellement dans un réseau immobilier pour faire de l'immobilier pour les autres et non plus que pour moi, j'ai commencé par de la pige mail. J'ai été à l'inverse de ce que les personnes font, à savoir sauter sur la dernière annonce qui s'est présentée ce matin et qu'il faut absolument tout de suite et que c'est marqué en gros « agence s'abstenir » et que la personne elle est en train de tenter quelque chose donc elle ne vous entend pas et elle ne vous écoute pas. Moi, je suis partie à l'inverse sur des personnes qui étaient en annonce depuis le plus longtemps possible parce qu'ils ont déjà tenté leur carte. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, je leur dis, on va changer les règles du jeu. On va jouer autre chose parce que vous voulez vendre. Pourquoi ça ne s'est pas vendu ? Quel retour vous en avez eu ? Et qu'est-ce que je peux vous proposer aujourd'hui surtout ? Ok, donc là, ils sont beaucoup plus à l'écoute du coup puisque fait longtemps qu'ils ont mis en vente. Et toi, tu arrives finalement comme une sauveuse peut-être ? Ben, comme le dit Léa Roy, qui fait beaucoup de choses sur le net, je suis le bon petit génie qui vient aider une personne qui veut vendre et une personne qui veut acheter. En fait, je mets en lien, je trouve l'équilibre entre ces deux personnes-là. Et je suis partie sur de la prospection mail, sur le principe de… au téléphone, on en reçoit plein des coups de téléphone, ça tombe souvent comme un cheveu sur la soupe, pas au bon moment. Donc, du coup, on n'écoute même pas qui est en face, on envoie bouler. Donc, moi, je suis partie sur le principe qu'en envoyant un mail, la personne, quand elle ouvre ses mails, elle est posée et elle a tout loisir de revenir dessus, de le garder, etc. Quel type de mail, t'envoies ? Ouais, et j'avais un assez bon retour sur des personnes qui m'ont… Quel type de mail t'envoies ? Quel type de mail t'envoies ? Alors, type de mail, je me présente, voilà, je donne deux, trois informations, je leur demande deux, trois infos sur leur maison, mais je me présente vraiment comme professionnelle de l'immobilier, conseillère du secteur, et que je me propose à venir discuter avec eux, déjà visiter leur maison parce que j'aime bien connaître tout ce qui se fait dans mon secteur, tout ce qui est à la vente dans mon secteur, et de leur proposer mes services, mais déjà sans engagement, sans rien. Alors, le mail, je ne l'ai pas pondu comme ça du jour au lendemain. Ça s'affine. Je l'ai utilisé avec mes propres mots, avec ma propre envie, et notamment au niveau des filleuls que j'ai maintenant dans le réseau. Je ne leur donne pas tout ça tout cru mâché parce que je veux qu'ils utilisent leurs propres mots, leur propre histoire. Leur propre personnalité. Tout comme voilà, les personnes vont faire à moi par rapport à toi ou l'inverse, c'est parce que nous avons une personnalité particulière. Et ben, le message ou les mots que l'on envoie ou que l'on les textos même que l'on utilise, je n'aime pas le copier-coller. Et parce que j'ai envie d'y mettre ma patte et que ça vienne de moi réellement. En fait, j'ai travaillé dessus et les efforts qu'il y aura ou les résultats qu'il y aura dessus sont les miens. Je ne prends pas les efforts ou les résultats des autres. Je peux m'en inspirer, mais c'est moi, Christelle, qui écrit, en fait.
Ouais, c'est clair, je comprends. Ouais, effectivement, c'est important d'avoir cette authenticité dans ton message, parce que ça te représente toi. Et si les personnes en fait captent, connectent en fait à ce message à un moment donné, bah, s'ils voient arriver une personne différente de ce qui était capté dans le message, il y aura pas la même Y aura un émotion. décalage et ça part sur de mauvaises bases. C'est ça, c'est ça. La partie émotion est importante et c'est un art, hein. C'est un art de savoir quand même écrire avec émotion, parce qu'il faut se laisser aller, parce qu'il faut accepter de laisser comme ça sortir de l'émotion sur un papier, parce que c'est l'émotion qui fait avancer les choses et c'est l'émotion qui fait on arrive aujourd'hui à avoir un mandat exclusif, au-delà du fait que on est peut-être moins cher que le voisin, au-delà du fait qu'on ait peut-être des services différents du voisin, au-delà du fait que l'agence, elle est peut-être un peu plus connue que celle du voisin. Derrière, c'est l'humain. Et moi, j'y crois dur comme fer. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Passer comme ça, juste un message en disant, bah, tiens, tu peux mettre ce message-là, il marche, ça ne fonctionnera pas. Non, parce qu'on va attirer des personnes qui ont la même sensibilité, la même vibration, comme je dis souvent, je suis très axée sur l'énergie également, mais la même vibration que moi, donc du coup, ça va matcher. Si j'utilise tes mots, ça ne passera pas parce que je ne saurais pas rebondir dessus, sauf si on a la même énergie tous les deux. Oui. Mais copier, enfin faire du copier-coller, je suis assez peut-être trop fière là-dessus, mais je veux que ce soit mes résultats et ma fierté, en fait. Non, Donc, mais ça va matcher parce que les personnes, voilà, il y en a qui sont très axés sur la déco, etc. Ils viennent sur ma page et c'est comme ça qu'ils me disent, ah, vous faites aussi de l'immobilier? Ah, ben, j'ai ça et ça et ça. Est-ce que vous voulez bien venir pour de l'estimation ou une vente? Donc du coup, dans ton message, tu mets un lien sur tes réseaux sociaux. Oui, sur ma page, j'ai dit, apprenez à me découvrir parce que donner un message ou même quelqu'un qui téléphone, il n'est pas censé vous croire à la première information. Bien sûr. Et du coup, je vois quand j'envoie une campagne de mail pour de la prospection, je vois tout de suite mes statistiques sur mes pages Facebook qui augmentent parce que je les envoie sur ma page pour découvrir qui je suis. J'ai OK. également fait toute une série de vidéos, notamment pendant la première campagne de Covid, enfin Le de confinement. J'avais déjà pris, donc j'ai fait 30 jours, 30 jours de vidéo, une vidéo différente sur des confinement. conseils. Et du coup, je dis, apprenez à me connaître, apprenez à voir qui je suis. Et l'important, c'est que les personnes puissent vendre et que moi, j'ai les outils pour le faire. Et surtout, je les décharge de toutes les problématiques qu'il y a de la vente. Parce que mettre un bien à la vente, une annonce, ce n'est pas très compliqué. Par contre, il y a toute une ribambelle de choses qui vont derrière. Le meilleur exemple que je leur dis, quand j'ai ma voiture qui est en panne, je peux regarder des tutos, hein, essayer d'ouvrir le capot de la voiture. Il y a deux, trois choses que je peux faire. Mais je vais faire appel à un garagiste parce que c'est son métier. Tout comme je peux très bien fabriquer mon pain, je l'ai eu fait. À un moment donné, pour des raisons de simplicité et de diversité, ben je vais dans une super boulangerie. Je fais appel à un service et à un métier et à un savoir-faire. On est bien d'accord. On est bien Donc, d'accord. je ne L'intérêt commence pas. de passer par une agence, on n'est pas des magiciens. Moi, je dis toujours aux gens, je ne suis pas magicien. Si vous pensez que je vais réussir à vendre votre maison ou votre appartement 20% au-dessus du prix, ce n'est pas moi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est mon métier. Donc, je suis disponible 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 pour vous. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'appeler un notaire et qu'il ne répond pas, je vais le rappeler 4 fois dans la journée. Et je ne pense pas que vous soyez aujourd'hui, vous, prêt. Ou que vous ayez cette possibilité d'appeler autant de fois une personne ou n'importe quoi pour l'assainissement, par exemple. Des fois, tu restes un quart d'heure avec un répondeur parce que la personne, et ça raccroche, tu es obligé de rappeler. Les gens ne peuvent pas faire ça, ce n'est pas possible. Et du coup, c'est vrai que nous, on est là pour ça aussi. On est là pour leur faciliter le travail. Bien sûr, tout comme tout métier s'apprend, comme toute chose, et comme on fait appel à des personnes qui ont une connaissance ou quand on a quelqu'un dans son entourage, on va dire, tiens, Exactement. toi qui sais faire, dis-moi. Oui, toi qui sais faire. Donc voilà. Après, Exactement. il y a des personnes qui vendent en particulier à particulier, ça peut fonctionner. Sachez que ben,
à peu près 80% des personnes qui ont essayé de vendre en particulier, le vendre, font appel à un professionnel parce qu'au bout d'un moment, il faut avoir du temps, il faut faire visiter, il faut vérifier également la solvabilité des personnes. Ça aussi, c'est ma partie. J'ai fait 25 ans de haute finance, donc du coup, tout ce qui est paperasse, etc. Et tout ce qui est emprunt ou les diriger vers un diagnostiqueur, enfin un courtier. Donc du coup, voilà, tout ça, ça fait partie des choses que l'on apporte en plus. Voilà, c'est toujours du plus, plus, plus. Génial. Ouais. C'est exactement ça. Enfin, on a la même vision, donc c'est parfait. Donc du coup, ces gens-là, ils reçoivent ton message ou ton mail, ils regardent tes réseaux sociaux et ils t'appellent. Ouais. Le nombre de personnes qui t'appellent. Alors sur une dizaine de mails au départ, j'avais un assez bon retour. J'avais à peu près la moitié qui me répondait. Donc c'est comme ça que j'ai constitué très rapidement mon réseau. J'étais dans un secteur où je pouvais pas vraiment faire appel à des personnes qui avaient des choses à vendre. Je voulais pas non plus déranger tous les copains et toute la famille et tout le premier cercle de personnes qui est autour de moi. Donc j'ai fait appel comme ça et ensuite ben, j'ai rebondi sur des biens que j'avais à la vente, des visiteurs qui... je pose beaucoup de questions aux personnes qui viennent visiter. Vous êtes propriétaire, vous avez des choses à vendre, ah oui, etc. Je vous laisse ma carte. Je vous verse également un pourcentage en tant qu'ambassadeur, je vous verse un pourcentage de ma propre commission si vous m'amenez une belle information ou que ça va jusqu'à la vente, je vous fais un cadeau, etc. Il y a toute cette chose qui se met en place. Notamment par rapport à un autre secret de pige, Hélène, qui proposait également « Prêtez-moi vos oreilles, j'arrondis vos fins de mois ». L'image, la phrase est quand même assez forte. Elle est géniale. J'ai essayé d'en trouver une autre, mais non, celle-ci est géniale. Mais je n'ai pas envie de la copier. Non, je pense qu'il faut innover, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut correspondre, oui. Donc, du coup, mais l'idée générale est là, c'est que bah, nos ambassadeurs, ce que j'appelle les ambassadeurs, bah, il y a tout un réseau de personnes autour de nous. Dans toute conversation, il y a toujours l'immobilier qui arrive. Dans une soirée, n'importe quoi, bon, en ce moment, les soirées, on n'en a pas beaucoup, mais même par visio, il y a toujours le sujet de l'immobilier qui vient et il y aura forcément quelqu'un qui aura quelque chose à vendre ou quelqu'un qui cherche quelque chose. C'est clair. On a tous besoin d'un agent immobilier parce que l'immobilier, c'est quand même aujourd'hui… ce qui est le plus rentable. Hein, bon, en ce moment, c'est vrai qu'il y a le Bitcoin qui est très rentable, mais ça ne veut pas dire que demain, il y sera encore. C'est quand même beaucoup plus sûr d'investir aujourd'hui dans l'immobilier. Donc, clairement, aujourd'hui, les gens s'interrogent sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier, sur comment faire des bons investissements. Et c'est là où je pense que toi, tu as vraiment, ta carte à jouer et que tu la joues, c'est que en connaissant avec ton historique, en connaissant l'investissement immobilier, c'est une vraie carte à jouer. D'ailleurs, ma question, ce serait combien tu as d'investisseurs en pourcentage par rapport à des personnes qui achètent pour eux ? La moitié. D'accord, quand même la moitié. Ouais, donc tu as vraiment une belle carte à jouer par rapport à ça. Tu te fais connaître par rapport à ça, en fait, aujourd'hui, quand même. Je le découvre. Enfin, en fait, je ne le mets pas en avant, mais mine de rien, tous ceux qui viennent, ce sont ou des investisseurs ou des personnes qui souhaitent acheter pour le mettre en location, etc. Ou parce que ben, ils savent très bien que ça va être du ponctuel, donc du coup, à combien ils vont pouvoir le revendre, etc. Donc, j'attire ce genre de personnes, en fait, aujourd'hui. OK. Et du coup, quand tu arrives chez les gens, une fois que tu les as appelés, une fois qu'ils t'ont appelé, qu'ils ont répondu, etc., tu arrives chez les gens. Donc, c'est là où, effectivement, tu peux leur proposer, enfin, tu leur expliques finalement qui tu es réellement, tes facultés de pouvoir éventuellement faire du home staging, redécorer un peu, les aider à redécorer un peu leur intérieur. Est-ce que tu t'aides de professionnels ou tu le fais toute seule? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu redécores, c'est-à-dire est-ce que tu leur apportes des objets déco ou est-ce que tu fais tout avec ce qu'ils ont chez eux? Alors, sur ta première partie de question, je fais le tour avec eux par rapport à la maison. Aujourd'hui, je n'apporte pas d'objets supplémentaires, mais c'est une question que je me suis posée, tu vois, cette semaine, pas plus loin que cette semaine.
Qu'est-ce que pour embellir une photo, deux, trois petites choses? Est-ce que j'ai besoin d'amener des coussins, des choses comme ça? J'essaye de faire avec ce qu'ils ont parce qu'il y a toujours une solution. Beaucoup de choses sont à épurer, en fait, souvent. Donc, et la manière de les amener sur épurer les choses, libérer un peu de l'espace, c'est préparez-vous à un futur déménagement. Est-ce qu'il y a telle et telle chose que vous voudrez garder? Non. Bah, commencez à vous en débarrasser maintenant. Désencombrer. Désencombrer, libérer l'espace, la visibilité, la lumière, le sens de circulation. Et au niveau des couleurs, sauf s'il y a une couleur très flashy et que je sais que ça ne va pas bien passer par rapport à la plupart des visiteurs, remettre peut-être un coup de blanc ou, voilà, ou okay. L'harmoniser par rapport aux couleurs d'aujourd'hui, mais on reste toujours sur du crème, du blanc, des choses comme ça. Et tu utilises des services de, je crois il y a des sociétés aujourd'hui comme Rénov qui justement permettent justement de faire des perspectives. J'ai eu fait appel à Rénov pour un appartement. Ça c'est vraiment pour quand il y a une très grosse projection à se faire et pour leur montrer le potentiel d'une pièce. Oui. Mais je m'étais posé la question sur me former sur les outils informatiques. Ça prend beaucoup de temps et par rapport au bien que moi j'ai à la vente, ça ne s'y prête pas, je vais perdre beaucoup de temps. Donc j'en suis toujours sur quel est l'investissement de temps, etc., par rapport au nombre de dossiers que j'aurai et du résultat. Effectivement, aujourd'hui, je fais plutôt appel à Rénov ou d'autres personnes. Okay. Mais sur le première prise de contact et faire le tour et leur dire deux, trois petites choses, non, c'est que moi. Ça t'apporte du client, le fait de passer par ces genres de fournisseurs pour pouvoir éventuellement justement refaire une face, enfin une perspective intérieure, etc. Tu as la sensation que ça apporte du monde derrière? Je n'ai pas assez fait pour avoir vraiment un recul et une idée dessus, mais je pense que sur des espaces type que des plateaux, des choses comme ça, il est clair et net que les personnes ont beaucoup de mal à se projeter et de leur montrer le potentiel ou le développement où ils veulent une cuisine comme ça, que là, c'est possible de la mettre, oui. C'est clair. Et je n'ai pas encore assez de recul sur le nombre de fois où j'ai fait appel à du Ops Engine virtuel. D'accord, ok. D'accord. Okay, oui, il a fait, tu l'as dit une ou deux fois, c'est ça que tu as dit tout à l'heure. Oui, oui, oui. Tu l'as fait peu de fois, donc forcément, tu as peu de recul. D'ailleurs, s'il y a des personnes de ces sociétés qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à me contacter. On pourrait en faire une vidéo justement pour un interview, pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez apporter aux agents immobiliers. Ça peut être hyper intéressant. C'est des services, en fait, qui sont, je pense, qui sont très intéressants, mais peu employés. Oui. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte. En fait, je pense que les agents aujourd'hui ne se rendent pas compte de. Alors déjà, ils ont mis du temps à se rendre compte que les photos étaient très importantes pour l'immobilier. Moi, je me rappelle. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier, mais le démarrage est depuis peu. En fait, aujourd'hui, on emploie des sous-traitants, on emploie des photographes pour faire des photos immobilières parce qu'on s'est rendu compte que la photo c'était juste primordial. Mais il y a peu de temps, les gens faisaient des photos avec leur smartphone, avec ce qu'ils pouvaient, et ce n'était pas important. Des photos de nuit, des photos en contre-jour, des photos qui n'apportent rien en fait. En fait, une photo, comme je le dis souvent, la personne qui va regarder une annonce va prendre 3 secondes par rapport à la première photo déjà. Va prendre 3 secondes pour savoir si elle doit cliquer pour aller voir plus le reste. Et avant de lire le texte, elle va regarder la photo. Donc, la photo est très, très, très importante. Alors, effectivement, par rapport à nos smartphones aujourd'hui qui ont une qualité quand même de photo assez intéressante, je vois la différence avec mon appareil photo que j'ai à côté qui a exactement la même qualité. Hein. Mais psychologiquement, pour un vendeur, quand je prends mon appareil photo par rapport à mon téléphone portable, ça fait beaucoup plus pro. Et effectivement, sur des biens d'exception, de faire appel à un photographe professionnel qui va pouvoir vous prendre des photos avec une qualité extraordinaire et qui vont tout de suite capter l'intention, parce qu'on est là sur capter les personnes, c'est très important. La qualité de la photo, nous, on a, au titre du réseau en particulier, on a un service qu'on appelle un service qualité, qui est vraiment très pointu sur la qualité du texte déjà, mais également sur les photos, les images, ce qu'on en a à mettre, ce que l'on n'a pas à mettre dessus.
Ok, Donc. donc en fait, il vérifie si les photos correspondent, enfin si les photos correspondent vraiment à la charte de du réseau. Oui, mais également sur le service par rapport à une photo qui serait mal prise ou avec des détails personnels que l'on n'a pas le droit de prendre, ben non, elle passe pas. Donc voilà, donc nous on fait très très attention sur la qualité de la photo et sur le service, et en fait pour encore une fois pour donner le maximum aux personnes qui visualisent tout ça. Ouais. Non, mais c'est, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que ce que je disais, c'est voilà, c'est aujourd'hui, on s'en rend compte de plus en plus. La qualité est importante. Il y a un formateur qui s'appelle Olivier Melgrani qui forme aussi sur les photos. Il a une chaîne YouTube, je sais pas si tu connais. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant d'écouter ce genre de personnes parce que ça t'ouvre l'esprit sur beaucoup de choses. Et l'idée, c'est vraiment de donner. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a tous les mêmes services à un moment donné. La personne qui veut faire travailler un photographe ou la personne qui veut acheter un appareil photo et savoir et apprendre à s'en servir, bon, on aura tous les mêmes services. Mais je pense que c'est important. En tout cas, nous, sur Paris, si tu ne fais pas appel aujourd'hui à un photographe pro, tu es mort. C'est-à-dire que nous, on est obligé de faire passer un photographe pro sur tous nos biens parce que le niveau d'exigence, il a doublé, il a triplé, il a été multiplié par 10 en quelques années par rapport à ce qu'on demandait, par rapport à ce que les vendeurs demandaient il y a quelques années. C'est aussi l'effet réseaux sociaux, Instagram, etc., où on voit que C'est ben, vrai. c'est la photo qui développe. Donc, du coup, c'est le premier canal d'entrée. Combien sur Instagram vont vraiment lire le texte? Très peu. C'est ce qui compte, c'est la qualité de la photo. Vous cliquez parce qu'elle vous aime, même si c'est un petit chaton ou quoi que ce soit. C'est l'interaction et l'émotion que ça va susciter tout de suite, à l'instant T, tout de suite. Il n'y a pas de recul là-dessus. Donc, du coup, la qualité de la photo est vraiment le plus. C'est quelque chose de très, très important. Ouais. C'est clair. Tout à l'heure, tu parlais d'Hélène et dans le secret de pige d'Hélène, en fait, je lui explique que j'avais vu une de ses publications et ce que j'aimais bien dans ses publications, c'était pas simplement le fait qu'elle mettait un bien sur sa publication, mais c'était qu'elle racontait une histoire en plus. Dans sa publication. C'est-à-dire qu'elle arrive à intégrer, alors elle doit faire ça avec Canva, il faudrait que je lui pose la question. En fait, elle met des photos et dans les photos, à un moment donné, il y a sa vidéo. Donc, elle intègre en fait des photos fixes et sa vidéo et elle raconte l'histoire de la maison, comment elle a rencontré les gens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'était passé avant. Et je trouvais ça extraordinaire en fait de pouvoir justement comme ça apporter du storytelling, apporter de l'émotion par l'histoire dans un contenu Instagram ou dans un contenu Facebook. Voilà. Et ça, c'est, je pense que c'est encore des choses qu'il faut progresser, il faut que les agents progressent par rapport à ça. Bah, on est sur des réseaux sociaux, donc tout le monde s'étonne que une photo de ce que vous êtes en train de manger, de votre assiette, fasse un buzz, parce qu'en fait, on est sur du partage de ce que vous êtes en train de vivre sur votre vie normale. On n'est pas sur, si vous mettez que des annonces en disant je veux vendre, j'ai ça à vendre, j'ai ça, etc., je cherche ça, si vous êtes que sur du pro. Les gens n'en ont rien à faire. En Ouais, c'est fait, ça. ils vont passer. Par contre, vous êtes en train de raconter une histoire sociale à travers votre métier d'immobilier, et c'est là que vous touchez effectivement l'émotion, et c'est là où en fait il y a du retour. C'est tout à fait ce qu'il faut faire, etc. Ou dire, ben voilà, j'ai vécu une super journée aujourd'hui, j'ai fait ça, ou alors j'ai voulu faire de la prospection comme certains, il pleuvait, et voilà, et ça va faire beaucoup plus de likes et d'interactions et de susciter d'intérêt que si vous mettez, ben, j'ai ça à vendre, j'ai ça, ça et ça. OK, ça reste de l'information basique que les personnes ne cherchent pas sur des réseaux sociaux. En fait, les personnes ont oublié le mot social, en fait. Ouais, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Le social est important et c'est vrai que les gens se disent, ouais, mais je comprends pas, il me montre toute sa vie, mais en fait, finalement, c'est ça, en fait. Le but de Facebook ou d'Instagram, c'est de montrer, en fait, des tranches de vie qui font qu'effectivement, on est soi. Alors, il y a des gens qui aiment montrer qu'ils sont différents des autres vraiment, c'est-à-dire par le luxe, et d'autres, en fait, qui montrent simplement leur tranche de vie
naturelle de ce qu'ils ont, de ce qu'ils vivent tous les jours. Et c'est ça qui fait, qui intéresse les gens. En fait, les gens aiment bien quand même regarder par le trou de la serrure, par le petit trou de la serrure, pour voir en fait ce qui se passe un petit peu chez les gens. Et c'est vrai que c'est le but de tous ces réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, dans ton, y a quelque chose qui est sympa aussi dans ce que tu fais, c'est l'avant-après. Oui. Donc, toujours. Forcément, toi, tu es très déco et très finalement avant-après. Donc, ça plaît aussi beaucoup. Bah, disons que ça donne une idée du potentiel toujours d'une pièce ou d'un meuble que l'on peut rénover, etc. Que les personnes, on voit hein, tout ce qui est émission de décoration, que ça suscite quand même pas mal de monde, parce que ça donne des idées. Et s'il y a des choses, des fois très très simples, et pour leur montrer ce que c'était et ce que ça peut devenir. Et ça, les personnes aiment bien en fait, parce qu'il y a un résultat. Tout de suite, ils n'ont pas besoin de seulement l'imaginer. Il y a tout de suite un résultat de ce que ça a pu donner et qu'ils auraient peut-être jamais été jusque-là. Mais toujours avec des choses très simples. Je reste toujours sur du très simple. Il n'y a pas de compliqué, vraiment pas compliqué, parce que du coup, vous perdez les gens. Mais sur des choses très simples, des fois qu'avec une couleur ou de changeant deux, trois choses, ce que ça peut réellement donner. Ouais. C'est top. C'est top. Et du coup, c'est des choses que toi, tu fais ou c'est des choses que tu vas chercher ailleurs? Alors, il y en a beaucoup, c'est moi qui les ai réalisées. D'accord. Il y a des choses que je vais chercher ailleurs ou sur des chantiers, ou parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui sont dans le bâtiment. Donc, des fois, je leur dis, attends, laisse-moi prendre une photo avant. Et j'y retourne après, dire, bah, voilà, la photo après. Et notamment mes artisans, les personnes qui travaillent avec moi, je leur dis, attends, je vais te faire un peu de pub. Donc, voilà. On en parlait tout à l'heure, donc toi, tu t'entoures d'artisans. C'est, donc, du coup, finalement, tu as toujours une équipe. Finalement, à chaque fois que tu prends un bien à la vente, quasiment, tu as un artisan qui va travailler dans la maison que tu vas vendre. Alors, pas forcément à chaque fois, mais disons que j'ai cette possibilité de dire, je connais quelqu'un qui peut venir en toute… j'ai aucun intérêt financier dedans, en plus, hein. Par rapport aux artisans, on est vraiment sur du donnant d'informations. On n'est pas sur du donnant monétaire. Mais du coup, bah voilà, si vous connaissez quelqu'un, il n'y a pas de souci. On prend un rendez-vous, on revient avec. Si vous connaissez personne, je peux vous conseiller une personne. D'accord. Ça fait partie des choses en tant qu'agent immobilier ou conseiller immobilier. On doit avoir dans notre manche. Tout comme on connaît un diagnostiqueur, tout comme on connaît certains notaires, tout comme, voilà. Après, le choix, le libre arbitre reste au client, bien sûr. Évidemment. Mais vous pouvez le seconder ou le diriger en disant, il y a une possibilité d'appeler quelqu'un. Parce que les personnes n'imaginent pas qu'on peut faire plusieurs rendez-vous ou faire venir un artisan ou faire venir quelqu'un pour faire un devis. Quelqu'un qui soit réellement du métier. Ils ont toujours quelqu'un, j'ai un copain. Qui n'est pas forcément du métier. On va faire appel à un professionnel. Ça, c'est clair et net, qui connaîtra vraiment les spécificités des travaux que vous souhaitez, vous, en fait. C'est clair qu'à partir du moment où tu es accompagné par quelqu'un que tu connais bien, moi, c'est pareil, j'ai fait faire quelques travaux dans ma maison déjà, et du coup, bah, j'ai une panoplie de personnes comme ça que je peux contacter et envoyer... à d'autres personnes ou leur donner leurs coordonnées. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on leur dit bah, « c'est mon plombier, c'est mon maçon, il a travaillé chez moi », déjà, c'est beaucoup plus sécurisant que dire bah, « tiens, je connais quelqu'un parce qu'il m'a donné une carte et du coup, bah, comme je sais qu'il va me refiler 10 ou 15% du chantier, je vous refile l'info ». Mais en fait, ça n'a aucune valeur. Et surtout, si la personne travaille mal derrière, bah, c'est un petit peu sur vous que ça va retomber, en fait. C'est donc, ça. Après, moi, je les mets en lien avec ces personnes-là en disant je n'interviens pas, je suis juste là pour vous conseiller quelqu'un ou quelqu'un que vous connaissez, peu importe. Mais je n'interviens pas, mais je connais aussi la qualité des personnes que je recommande parce que j'ai eu affaire avec eux, parce que je connais la manière dont ils travaillent. Mais il y a aussi des clients. Je vais prendre l'autre jour, je suis allée pour un appartement et la personne réalise, il fait des rénovations de chantier. Donc, du coup, j'ai pris sa carte. Moi, j'ai un porte-carte, je récupère pas mal d'infos. Mais du coup, j'ai dit, si c'est un secteur bien particulier sur lequel je n'ai pas l'habitude d'intervenir, mais je dis, mais si j'ai une rénovation à faire, est-ce que je peux faire appel à vous?
pour que vous puissiez faire un chantier. Donc, c'est toujours drainer des informations que l'on a un peu à droite à gauche, ou un client à qui j'ai une maison à vendre et qui est menuisier. J'ai dit, si j'ai un problème de menuiserie ou une intervention en menuiserie, est-ce que je peux faire appel à vous ? Les gens aiment bien parce que c'est toujours du donnant-donnant. On le voit d'autant plus aujourd'hui sur les réseaux, sur le partage, étant confiné par rapport à 2-3 professions qui ne peuvent pas exercer, malheureusement, on est vraiment sur du donnant-donnant. De plus en plus, quelque chose pour vous. Je peux faire de la publicité pour les commerçants de mon secteur. C'est ce que j'essaie de développer aujourd'hui, les partenariats avec des personnes de mon entourage qui font partie de ma communauté parce que c'est mon choix et parce que j'ai envie de les aider aussi à ce niveau-là. Donc, on est toujours sur du… Il n'y a pas la façon monétaire. Je ne cherche pas du monétaire derrière. Je cherche à satisfaire des clients dans un cadre professionnel immobilier, mais aussi parce que ça me plaît. J'aime aller sur les chantiers, j'aime aller voir ce qui se passe, j'aime aller, comme mes enfants me le disent souvent, quand je rentre dans un magasin de bricolage et que je vais en avoir pour 2 heures, parce que je fais toutes les allées, parce que je regarde tout ce qui se fait, en fait. Toutes les nouvelles structures, les nouvelles techniques qui peuvent se faire. Parce que, encore une fois, je ne me force pas parce que j'aime ça. Une personne qui n'est pas du tout dans la rénovation, etc., ce n'est pas son truc, ça ne sert à rien de s'y mettre. Mais quelqu'un qui a une autre passion, oui. Il faut le faire, il faut l'exprimer à travers votre profession d'aujourd'hui. Tu exprimes exactement le pourquoi de Secret de Pige et la façon dont effectivement Secret de Pige est fait, c'est-à-dire en fait il y a plein de conseillers différents formateurs puisque la semaine mercredi là je reçois Olivier Guerre donc dans Secret de Pige, mais qui ont tous leurs spécificités et qui, du coup, apporte des choses différentes. Et en fait, ça se trouve, il y a des gens pour qui, toi, tu ne vas pas du tout parler. Et par contre, peut-être qu'ils vont plus s'arrêter sur un Maxime, sur un Martial, sur une Hélène ou sur un Grégory que j'ai reçu également. Donc, forcément, à un moment donné, il est important de prendre conscience que tout ce que tu dis, tout ce que les gens disent, tout ce que les conseillers disent dans cette émission, c'est fait pour eux. Et qu'il y a des choses qui fonctionnent pour eux, puisqu'ils nous le disent. Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pour vous, pour ceux qui nous regardent là à l'instant présent, parce qu'on est tous différents et que forcément, on ne va pas vous obliger à passer 2 heures dans un Leroy Merlin si vous n'avez pas cette fibre des travaux et vous n'aimez pas ça. Tout à fait. Il faut vraiment que ça transpire votre personnalité, vous, réellement. C'est pour ça que la pige téléphonique, je n'en fais pas, parce que ce n'est pas mon truc. Et j'ai essayé. Je ne vais pas me forcer à faire quelque chose. Et en face, ça se sent. Donc, du coup, ça ne passe pas. Oui, mais tu en as fait par une autre méthode. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, j'ai trouvé une technique. Je ne l'ai pas inventée. D'autres le font aussi. Il y en a qui font de la pige SMS, il y en a qui font porte-à-porte, il y a X manières de faire de la pige, enfin d'aller chercher des mandats ou du moins des contacts. J'ai trouvé quelque chose qui me correspondait. Aujourd'hui, ça fait combien de temps ? Un an ? Un an et demi que Un an et demi, je suis dans un réseau, le réseau e-particulier, oui. Et un an et demi, et j'ai vu sur une de tes des parutions que tu étais très bien situé en termes de performance. Alors, effectivement, on vient de faire les performances, les challenges 2020. Donc, je suis 11e du réseau. J'en suis très, très, très heureuse. C'est un réseau qui a cette année une dizaine d'années, qui est bien implanté sur la région Rhône-Alpes, mais également qui, depuis 4-5 ans, se développe partout en France et également sur le réseau suisse. Donc, du coup, je suis très satisfaite et je pars sur une belle année 2021 également. Génial, génial. Et donc, par ta spécificité, par ta façon de travailler, par le fait de ne pas faire de survente ou de piche forcée, tu le fais tout simplement en étant toi-même. Et en fait, tu nous prouves là, à l'instant présent, que même en n'étant pas une surdouée de la prospection téléphonique pige à la Loup de Wall Street,
tu peux réussir dans ce métier. Tout à fait. Ça ne m'a pas empêché de lire Le Loup de Wall Street. Ah, moi, j'adore ce film. Et de prendre quelques astuces et de les mettre encore une fois à ma sauce. Ouais. Je ne sais pas si tu as lu ce livre-là. Oui. Ouais, mes enfants me l'ont offert l'année dernière. Ah, il est extraordinaire parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de PNL à l'intérieur. Oui. Et moi, je ne sais pas si tu sais, mais je suis hypnotiseur aussi. Donc, du coup, je fais de l'hypnose. PNL, hypnose, ça me parle énormément. Voilà. Donc, du coup, un livre comme ça ouvre énormément l'esprit sur plein de choses. Alors après, on aime ou on n'aime pas Jordan Belfort. Il a fait des bêtises, effectivement, mais c'est un très, très bon vendeur. La technique reste fantastique quand même, et encore appliquée et applicable aujourd'hui. Donc, voilà. Il y a par exemple quelque chose qu'on peut utiliser, que les gens oublient de dire, mais par exemple, il parle d'ancrage. Alors, un ancrage, c'est un stimulus extérieur, en fait, hein, qui va te faire finalement vibrer de l'intérieur. Et ça peut être un ancrage physique, c'est-à-dire en hypnose, on va par exemple mettre un ancrage sur un point de contact, mais ça peut être également par exemple un ancrage olfactif. Oui. Par exemple, un ancrage olfactif, c'est dire à vos vendeurs que par exemple s'ils ont une série de visites le samedi après-midi, eh ben faites cuire un gâteau juste avant les visites, parce que ça c'est un ancrage qui est juste énorme pour les gens. La plupart des gens, quand ils rentrent dans une maison avec une odeur de gâteau, de tarte à la pomme ou n'importe quoi, c'est quelque chose qui tout de suite les met dans une ambiance géniale, une belle ambiance, une belle émotion positive. Et du coup, bah, tout le restant de la visite va très, très bien se passer. Ouais. Par exemple. Voilà, ça, c'est il parle d'ancrage. Comme une maison qui a une cheminée et dire, ben voilà, faire la cheminée avant la visite, c'est… Exactement, exactement, la même chose. Se mettre dans l'ambiance de la maison. C'est ça, exactement. Se mettre dans l'ambiance de la maison, se mettre dans le… Voilà, amener la personne à se sentir chez elle par une série de petits points de détail comme ça qui peuvent être finalement peut-être vous paraître… anodin ou complètement débile, mais pourtant ça fonctionne énormément. Et une fois qu'on le sait, on peut effectivement améliorer. On va dire améliorer. On va pas, ça, c'est pas ça qui va faire la vente, mais en tout cas, ça va mettre la personne dans une émotion positive. Ça va la mettre dans quelque chose qui va être plus positif pour le restant de la visite. Tout à fait. C'est pour ça que l'intérieur des maisons me parle, parce que j'ai fait du feng shui pendant un certain nombre de temps. T'as fait des feng shui aussi ? Ouais. Ah, génial. Donc, du coup, c'est pour ça que la sensibilité des maisons me convient. Enfin, voilà. Ok. Donc, ça veut dire que tu conseilles aussi les gens par rapport au feng shui ? Bah, disons que je, dans mes conseils, j'en tiens compte, moi. Je ne leur parle pas de feng shui, mais disons que dans mes conseils, je sais qu'il y a telle et telle chose qui vont bien se coordonner les unes par rapport aux autres, oui. D'accord. Une teinte de peinture, une couleur de meuble, une nappe particulière. L'entrée de la maison, il y a 2-3 points particuliers. Enfin, voilà. Tu peux nous donner quelques conseils par rapport au feng shui, là, tu nous dirais quoi ? La première chose, les 10 premières secondes sont les plus importantes. Donc, il faut toujours faire très, très attention à ce qu'on appelle la bouche de la maison, l'entrée de la maison. Si elle est encombrée, si vous n'arrivez pas à ouvrir une porte en grand, si y a toutes les chaussures qui sont derrière, etc., vous aurez beau avoir une maison de qualité derrière, les personnes ne vont retenir que ça du démarrage. Les 10 premières secondes sont les plus importantes. Donc, s'il faut rajouter 2-3 petits bouquets de fleurs ou enlever des choses qui sont sur l'extérieur, etc., mais à l'intérieur de la maison, quand vous entrez dans la maison, c'est cette idée-là qui va donner l'idée générale de la maison. Si là, il y a des choses cassées, s'il y a des poubelles, s'il y a des choses comme ça, les personnes vont se dire « Ah, cette maison est mal entretenue, etc. » Faites très attention à l'entrée. D'accord. Évidemment. Donc ça, c'est le premier conseil du feng shui. C'est le premier conseil facile comme ça, etc. Ça a nécessité quand même 3 ans d'apprentissage pour apprendre plein de choses. C'est au-delà des couleurs basique que vous pouvez trouver ou que voilà. C'est ni plus ni moins le feng shui, ça veut dire vent et eau en
chinois, mais disons que c'est ni plus ni moins ce que nos anciens faisaient avec des choses qui sont tout à fait logiques et axées sur la course du soleil, sur la philosophie du Tao. Je pourrais en parler pendant des heures, on ne va peut-être pas faire ça pendant des heures, mais disons que tout est axé sur le logique, les pièces de jour au jour, les pièces de nuit aux nuits, enfin voilà, il y a au nord, je veux dire, il y a... et la luminosité, la lumière est très, très, très importante, toujours. Voilà. Toujours. Ouais. Et pièce de jour, tu as dit quoi ? Au sud, plutôt. Au sud. Pièce de sur, la lumière du soleil, en tous les cas. Ah, ouais. Au sud, après, la courbe du soleil. Ouais. Après, tu t'adaptes par rapport aux maisons aussi. Tout à fait. Il y a des maisons qui ont été construites sur des sites qui ne sont pas forcément géniaux ou sur des terrains qui sont devenus constructibles alors qu'ils étaient inondables. Enfin, tout ce genre de choses va entraîner une énergie et dans la maison et vis-à-vis des personnes. Quoi. Il y a des personnes, vous ne savez pas pourquoi, pas forcément si elles sont axées sur l'énergie ou pas, vont rentrer dans une maison et ne se sentiront pas bien parce qu'elle ne correspond pas pour elles. Parce qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, tout comme quand il y a des maisons où vous rentrez et que vous vous sentez super bien. Mais en fait, elles vous correspondent. Donc moi, la première question quand j'ai fini une visite, c'est comment vous vous sentez dans cette maison ? Est-ce que vous vous y projetez ? Est-ce que vous pouvez vous poser ? Il y a des personnes qui n'y arriveront pas. Donc, ça ne sert à rien. Si la maison leur plaît, ce ne sera pas leur maison. Parce qu'il n'y a pas une bonne énergie. Parce qu'il y a pas qu'elles ne correspondent pas. Tout comme on est avec une. Tout comme quand on a un compagnon ou une compagne dans la vie, c'est parce qu'on a des points qui nous relient les uns avec les autres. Il y a des choses qui ne vous relient pas à une maison. Ça ne sert à rien de forcer. Super, bah, écoute, c'est génial. Je ne savais pas que tu faisais du feng shui aussi. Donc, tu as vraiment une panoplie complète du parfait conseiller immobilier différent, comme on l'a dit tout à l'heure. Et je pense qu'effectivement, tu es à ta place aujourd'hui en tant que conseillère parce que tu apportes vraiment des choses que certains n'apportent pas. Et je pense que tu fais la différence dans ton secteur, sûrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es 11e de ta… 11e, hein, c'est ça ? Oui, 11e du réseau. 11e de ton réseau en si peu de temps. Est-ce que tu as d'autres choses à apporter comme conseil, finalement ? Toutes les personnes qui vont regarder. Vraiment, soyez vous-même. Utilisez tout ce que vous aimez. Quelqu'un qui est passionné de jardinage pourra l'apporter sur son métier. Quelqu'un qui est passionné de quoi que ce soit ou… Aimez ce que vous faites et ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous ne souhaitez pas et qui ne vous correspond pas parce que ça ne passera pas. Dans la vie en général, mais encore plus dans un métier immobilier où on vend quand même des choses qui sont à des prix importants, avec des décisions d'achat ou de revente qui sont importantes pour la vie des uns et des autres. Donc, essayez de faire quelque chose qui vous… Soyez transparent et aimez votre métier en fait. C'est ce que j'essaie de développer vis-à-vis de mes filleuls, qu'aujourd'hui, je développe aussi ma propre équipe. Donc, du coup, le langage, c'est si vous n'êtes pas prêt à le faire maintenant, ne le faites pas. Quand vous êtes prêt, c'est parce que c'est le moment de le faire, mais faites-le pour vous et faites-le bien, en fait. Très beau, très beau. Bah, écoute, ça va être le mot de la fin, je pense, parce que… Parce que c'est vraiment très bien ce que tu dis. Si je pouvais te définir, je te dirais authenticité, partage, amour, énergie. Voilà, tous ces termes que je pourrais mettre autour de toi. Dans tous les cas, je te remercie beaucoup, Christelle, merci. D'avoir accepté cette interview. Parce que tu as énormément de choses à dire et on pourrait rester des heures et des heures. Bon, après, effectivement, ça va faire une heure qu'on est ensemble et je pense que c'est très, très bien. Je te remercie pour tout. N'hésite surtout pas à partager ce live si jamais tu as l'envie est là parce que je pense que ça peut plaire à énormément de personnes parce que on a aujourd'hui l'image de l'agent immobilier un peu à la Jordan Belfort et on en parlait tout à l'heure et même si ce gars est génial parce qu'il a une connaissance énorme en PNL, etc., et qui peut intéresser énormément de gens, derrière, on arrive aujourd'hui, on peut réussir à être 11e de son réseau juste en partage, juste en étant soi-même, juste en étant authentique. Et ça, c'est juste génial. Voilà. Et c'est exactement ce que je veux aussi montrer
dans cette émission, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut réussir en étant soi-même. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Christelle. On va mettre le générique de fin et je te retrouve tout de suite après pour parler quelques minutes après, d'accord ? Ok, super. Merci. Voilà, à tout de suite. Bye bye. Au revoir tout le monde. Au revoir. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. Cause I run it, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you